Ok, avant de vous présenter le bilan de la fête de Saint-Sylvestre, permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Que la paix et la santé soient notre pain quotidien. Le bilan de la fête de Saint-Sylvestre se présente de la manière suivante. Pour la ville de N'Djamena, la police nationale a enregistré 4 morts, dont 2 suite d'un accident de la voie publique et 2 de suite de coups et blessures volontaires. Elle a également enregistré 19 cas de coups et blessures volontaires simples, 4 cas d'accident de la voie publique grave, 77 cas légers, 5 cas d'accident avec dégâts matériels et 1 cas de chute et 2 cas de chute libre, excusez-moi. Pour les autres provinces, 24 cas d'accident de la voie publique ont été enregistrés. 2 cas de coups et blessures volontaires simples et enfin 1 cas de coups et blessures volontaires mortels à Maguere, sous-préfecture de Péni, dans la province de Mandoul. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est élevé. Et cela s'explique, pour la plupart des cas, par la conduite en état d'ébriété, l'excès de vitesse et surtout le transport en Amazon. Ou pour un cas d'accident, on peut dénombrer 3 à 4 blessés. Et d'ailleurs, le transport en Amazon est interdit, là, chacun de nous le sait. Je profite également de vos micros pour présenter nos félicitations aux forces de défense et de sécurité, au personnel dynamique du ministère de la Santé publique, à la police municipale et aux volontaires de la Croix-Rouge du Tchad pour le travail qu'ils ont abattu. Et je ne saurais terminer ce bilan sans rappeler le mot d'ordre qui est la vigilance, car l'ennemi est toujours là. Je vous remercie.